C'est l'amiral Templier qui détient le paquet sur le navire de tête, capitaine. Il suffit qu'il donne l'ordre et le paquet sera perdu. Le paquet présente moins d'intérêt que le nom de son destinataire. Éliminons cet amiral qui fait office de messager et nous découvrirons le vrai visage de ces Templiers. En devenant un assassin, j'ai juré d'abandonner la piraterie. Mais les vieilles méthodes ont servi le credo plus d'une fois. Oh, après tout, tout est permis, capitaine. Oui, et c'est bien souvent nécessaire. On attend les ordres. Les vieux pirates, il faut fuir. De la bonne poudre gâchée. On est paré, capitaine. Tous à voile. Cette fois, on est touché. On y est presque. Feu, capitaine. On les a eus. Bien placé au harnais. On a tous les capitaines. Descendons. Capitaine, c'est à cet endroit qu'il faut tirer. Feu. C'est ce qu'on peut faire. Là, capitaine. La voile et voler au plus près. Targuez les huniers et les planqués. Bastien Joseph, bon prince. Mais qu'est-ce que les Templiers font là-bas? Capitaine, d'autres navires français nous prennent en chasse.
Ils sont trop nombreux. Cette tempête va nous aider. On va se briser sur le rivage. Notre sort sera bien pire si les Templiers s'emparent de ce paquet. Aïe, capitaine. Faites gonfler la grand voile. Ils tirent une bordée. Capitaine, tout est... Sauvez-vous! Je dois rester à bord du navire! Non! Il se rapproche! Capitaine, c'est à cet endroit qu'il faut tirer! On attend le signal! Ils tirent une salle! Ils sont de plus en plus près! On les a eus! Ils gagnent sur nous! Attention au choc! Targuez les cacatois et les huguets! Toute la voile au vent! Lâchez-vous! Ah, raté! Arrêt! Arrêt à faire feu! Feu! Maudit soit vicieux! Cramponnez-vous! Adé, ils sont trop forts pour nous! Oh! Ah!